Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 4. Donc chers amis, bonne année, hein, encore une fois, bonne année. Bonne santé, tout ça, plein de bonnes choses pour 2016. Donc moi je rentre de mes vacances, enfin de mes pseudo-vacances, vous entendez peut-être que j'ai été malade. En fait je rentre plus fatigué de mes vacances et plus malade de mes vacances, c'est assez génial. Donc, nous avions fait ce bâtiment, alors ça remonte à plus de 10 jours pour moi. Hein. J'ai pas touché à mon PC pendant, enfin pas fait plus de 2 heures de PC en 10 jours. Donc ça fait longtemps. Donc on va reprendre, il me semble qu'on est en train de faire de l'exploration. On a encore le putain de problème de médoc là à cause de la maladie. Même que j'ai actuellement. Blah. Bon. L'éthylotron, le dernier voyage. Allez, voilà, pas la dead dance. D'accord. Problème de ghoul. On est là. La tour relais, elle est découverte. Des choses qui ne sont pas découvertes dans le coin. Apparemment non. Il y a un camion, il me semble cabossé. S'il est cabossé, techniquement, on n'aura rien. Alors je vais juste faire, vu que ça fait 10 jours, je vais quand même faire un test son au cas où. Je reviens. Oh, alors ça marche bien. Bon, bah parfait. Alors. Hop. J'ai rajouté quelques mods, j'ai fait la mise à jour des quelques mods. En 10 jours, il y a eu quelques petites... les améliorations, c'est principalement graphique, hein, je vous rassure. Rien de bien énorme. Mais ils ont repop. Quelqu'un approche. What? Alors là, si tu me vois de là, mon pote. Aïe. Je crois qu'on n'est pas seul. Mince, j'ai raté. Je devrais arrêter de repousser le calibrage de mes systèmes de détection. Viens-tu, mon ami, viens-tu. C'est quoi ça? Deux fois plus de dégâts. Et je l'ai eu. Cependant, il n'était pas seul. On le sait tous, cette zone est truffée d'ennemis. On y est mort plus d'une fois. Que ce soit les chiens. Ouais, vous savez quoi? Rien à foutre. J'ai gaspillé des balles. Enfin bon, tu me diras, sur le sniper, j'en ai un paquet. Hein. Calibre 50, ça... ça y va. Salut les Bramines. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? On a un hôpital. Oh là là! Il y a quelque chose. Il y a de la saloperie aussi. What? T'es rapide? Alors c'est laquelle déjà? Change-moi d'arme. C'est pas ça. Ah, j'ai morflé! Bête, vous commencez à devenir copain. Hop. J'ai pas retrouvé ma... filez-moi tout canon. Ce que vous pouvez pas porter. C'est vraiment dommage. Cependant, vu l'état de la terre et vu l'état des choses au sol, je pense qu'on va avoir d'autres. Luminescent légendaire. Suffisait pas de base. Tiens, bouffe. Aïe. Ouah, la vache. Recharge, mon dieu. Nope. Nope. Oh la vache. Anti-humain, renforcement, combat armor, chest piece.
Oh la vache. Remarque, ça pourrait être... Ah. Nick. T'as un problème avec la porte? Tout ce que vous voulez. Oh, c'est gentil. J'aimerais te donner ça, mais je pense pas que tu pourras l'équiper puisque tu n'équipes aucune armure. Oh, tu me soulages si tu savais. Ah, si tu. Ah non, tu t'équipes pas. Hop. Ah, faudra que je vous montre un truc aussi. On m'a dit un truc dans un commentaire, faudra que je l'essaye. Je pense que ça marche. Bizarrement, je sens que c'est une grosse connerie et du coup, ça marche. D'accord, l'hôpital, je crois que j'ai déjà été. Par contre, il y a un bâtiment. Il y a des gros bâtiments devant nous. Je pense pas que ce soit sur la map. Je vais juste prendre un petit coup de. Hop. Où est-ce qu'il est? Radaway. Que l'on suit avec. C'est quoi ce bâtiment? Regardez-moi tout ce qui est apparu sur la map d'un seul coup. Si c'est pas génial. Si ce jeu. What? Ça a fondu. Là aussi. Ça a fondu, il est con lui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Holoband de champ de bataille, holoband, holoplaque du chevalier. Émetteur de détresse, hop. Une chier d'armes. Un bureau. Alors il s'appelle Desk pour la simple et bonne raison qu'en fait vous voyez la texture est bien améliorée. Je précise. On va écouter quand même le truc. Alors. Holoband du champ de bataille. Alors, je t'écoute. Tombez dans une embuscade. Ils sont 5 fois plus nombreux que nous. Varam, au rapport. Varam, au rapport, ouais. Il me reste à peine 5% d'énergie. On va devoir détruire l'armure. Il ne faut pas qu'il puisse... Ça ne sert à rien. 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 Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Donc il y a eu une bataille et ils ont fait péter une armure. Et c'est pour ça que ça aurait fondu. Ou alors c'était une armure que je ne connaissais pas peut-être. Une grosse armure, une vraie armure de balèze. Peut-être. Ça me parle. Ça me fait plaisir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Rien à proprement parler apparemment. Hop. Génial. Cartouche, ouais, dentifrice. Ah, il y a du dentifrice, génial. Tout ce dont j'avais besoin. Du dentifrice. Alors. Donc, est-ce que ce serait un bâtiment militaire? Je pense pas. Donc, est-ce que c'est... What? C'est quoi ça? F. Viens. Regarde ça. Boum. Raté. Boum. Boum! Boum! La suivante! C'est fini pour toi! Next! Kenigou, vas-y! Bon travail. C'est bon. Eh ben, elles nous ont vu de loin. Ça m'a surpris. Ils sont réactifs, ces ghouls. Alors, j'ai vu plusieurs modes permettant d'améliorer le physique des ghouls. Les rendre plus creepy. Franchement, je les ai trouvés tous dégueulasses. C'est des textures en fait qui sont intéressantes sur le point, d'un point de vue entre guillemets technique, entre guillemets sur le design, elles sont intéressantes. Mais les textures en elles-mêmes sont moches. Elles sont affreusement moches. Centre de recherche MedTech. On pourra plus dire qu'il y a combat. Pénurie de tubes, c'est dans le coin. C'est la combat. On va bien voir. Hein. Peut-être tomber sur des choses sympas. Certaines personnes m'ont parlé aussi des différentes... Des ghouls encore. Faut que je change d'arme. Là, voilà. On parlait des améliorations physiques dues aux implants.
J'aurais aimé les... Enfin, vu que j'en avais déjà parlé, vous avez pris la peine d'en parler vous-même. Bon, c'est pas trop beau, grave. La science. J'aurais simplement aimé pouvoir savoir si c'était réaliste ou pas, et apparemment, c'est... je peux l'espérer. L'administration a déclenché le verrouillage de ce site. Tout le personnel de sécurité est tenu d'assurer l'intégrité du site jusqu'à nouvel ordre de la part de la direction, autorisant du recours à la force avec permis de tuer. D'accord. Donc potentiellement, on trouvera des gens. Porte déverrouillée novice. C'est parti. Ça y est. Cartouche, cartouche. Personnellement, j'ai toujours préféré les cours d'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on trouvera là-dedans? Putain, j'ai une vieille... Il y a une crampe dans le bras, ça revient pas. Ok, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Capsule. Quelques munitions. Une canette. Local, local, local. Vous voyez qu'il y a une texture aussi dessus. Qui est d'ailleurs pas si belle, hein. Dans ce genre d'endroit, si quelque chose vous paraît explosif, c'est sûrement le cas. Explosif, il a dû voir quelque chose. Non, pas l'ascenseur. L'ascenseur, c'est souvent un mal pour un bien. Avec toutes les pannes que j'ai pu avoir, heureusement qu'il y a des endroits comme ça. Du buff out. Plateau chirurgical, pourquoi pas. Steampack eau purifiée, ça c'est génial. Ici, il y a quoi? Des chiottes. Oh merde. Excuse-moi, tu pourrais te bouger le cul, s'il te plaît? Dégage. Ah, t'es chiant. Je te promets que dans t'es ce chiant. Genre d'endroit, si quelque du chose savon, vous je vais paraît prendre ma douche. Explosif, c'est sûrement le cas. Alors... Brosse à dents. Ça tombe bien, j'ai trouvé dentifrice tout à l'heure. Les douches. Capsule. Capsule. Jeton de métro. Je vais le prendre, je sais pas à quoi ça sert. Ok, il y a les lunettes qui vont avec. Avec les pannes que j'ai pu avoir. Heureusement qu'il y a des endroits comme ça. Alors. Une douche, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Non. Dommage. Je viens de voir ça. Ça ressemblait littéralement à un coffre, alors bon, je me suis dit je vais aller voir. Est-ce que quelqu'un veut me faire la courte? Je vais me faire enculer, ok. Terminal du SAS. Rien, ouvrir les portes du SAS. Accès refusé. Et je peux pas le hacker celui-là. J'ai baladé tout seul à College Square une fois. Jamais vu autant de ghouls au même endroit. Ok, ça c'est un bon réflexe. Ça. Ouais. Oh. C'est intéressant ça. Ok. Très bizarre aussi. T'as sûrement des ennemis du coup là-haut. Oui, j'ai vu la canette, hein, je décide de pas la prendre. Quelqu'un approche. Tiens, tiens, regardez qui est là. Ah, ils sont transformés en ghouls depuis le temps. Ça, je peux comprendre. La voie, alors, arrive. Tu rampes? Hop! J'ai l'impression d'être dans le... Putain. Je me suis fait eu comme un bleu. Ah, il y en a encore. En dessous. C'est étrange. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Soyons honnêtes. Si elle prend l'ascenseur, je pète une durite. Franchement, je pète une durite. Ouais, je peux lui jeter son pote. Elle va mal le prendre. Ils sont là quelque part. Oh.
Alors, qu'est-ce que tu faisais là? Franchement. De sous-estimer. Bon. Je suis venu là, j'ai fait ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ou sur les bureaux? Oh. Ah non, c'est pas ouvrable. J'y ai cru. J'admets, j'y ai cru. Putain. Deux fois de suite, hein. J'ai récupéré là-dedans, oui. Donc il me parlait d'explosifs, mais non, c'est des trous dans le sol, le problème, en fait. Le véritable problème, c'est les trous dans le sol. Alors, là, j'en viens. Oui, non, non. Oui. Ok. Là, j'y suis pas allé, pas encore. Capsule. Pourquoi pas? C'est sympa. Là, il y a un trou. Dans le trou, ça mène strictement à rien, encore une fois. Mais vaut mieux essayer, hein. Vaut mieux tomber et recommencer que... Oui, je sais qu'il y a potentiellement des trucs là-dedans, voilà. Par exemple là. Éprouvette graduée. Oh! Mais non. Voilà ce que j'ai changé. Non, la hache de grognac, je la garde, merde. Main d'écorcheur x3, tiens. Ça me fait du bien, ça, déjà. Rien que ça, c'est... C'est génial. Boîte de café. Ah non, j'aurais dû garder le café. Bon, c'est pas grave. Merci, Yannick. C'est vraiment sympa de t'avoir dans le groupe. Hop. What the... C'est la poubelle qui a fait ce bruit là? Putain. Violente la poubelle. Nick, qu'est-ce que tu fais là? Merde. Tu suis pas, hein. Bon, alors. Bonjour. De chance de désarmer une arme en mêlée d'un attaquant. Sur le coup. Je pense qu'en fait, quand il m'attaque, je peux le faire lâcher son arme. De ce que j'en ai compris, c'est ça que j'en retire en tout cas. Des capsules. Du coca. Du Coca-Cola vide. Je peux pas la prendre. Ah, ça y est. Hé. Hey. Mais non, examine. Allez voir s'il avait quelque chose d'intéressant sur lui. Ah là là. Je lui donnerai plus d'or à Kanigou en fait. Ça me faciliterait la vie, pardon. Alors. Ah la vache. Ça a pas pété, je pensais que ça allait péter moi. Excusez-moi, oh putain. T'as fait mal? Tu crois? On est dans le ventre. Plus... Kanigou! Tout est pas toi! Pas toi, Kanigou! Critique! Boum! Ça fait mal? J'espère bien. Kanigou, j'arrive! Hop! Mais Nick, t'arrives après la bataille encore, merde! Fais chier! Cavalier! Oh, sympa. Machine à écrire, je prends. Quelques capsules, je prends aussi, hein. Toujours sympa. Petite voiture. Ah bah ça va, tranquille, pépère. Tout va bien. Oh, c'est là où... Voilà, c'est là où elle est tombée tout à l'heure. C'est là d'où elle est tombée plutôt, pour être très précis. Cartouche, cartouche. Clé nécessaire. Il faut que je trouve le mot de passe. Mot de passe de Jacob. Oh merde. J'ai loupé le mot de passe de Jacob. Je suggère qu'on bouge. Sauf si vous avez envie de tirer au vert. Ça me dérange pas de bouger, mais... Encore faut-il que... Non mais... Nick.
Vous pensez pouvoir débloquer ce terminal ? Je vous écoute. Faites ce que vous pouvez. Comptez sur moi. Ok. Nick, tu vas finir par retourner à Sanctuary, comme tous les autres. Pas de papier là-dedans ? Non. Capsule, ouais, pourquoi pas. Merde. J'ai pas son putain de mot de passe. Et y'a pas un mec qui s'appelait Jacob dans le coin ? Non, parce que, enfin... Ça me ferait chier, quoi. Non mais sérieusement les mecs, y'a pas un mec qui s'appelait Jacob ? C'est pas que... enfin... Ou alors j'ai loupé une salle, c'est possible. Vu comment j'ai rushé le zéro, l'étage zéro, j'ai peut-être loupé une salle, effectivement. En tout cas, il est pas par là. Dossier, prendre. Ça va pas être ça. Ghoul sauvage. Boule de billard blanche, non ? C'est coincé. Oh merde, on va pas pouvoir... Oh bah merde ! Faut que je redescende à patte. Et y'a pas un Jacob dans le coin ? Non ? Je l'ai dans le fion. C'est pas lui, Jacob ? L'impression. Je crois qu'on n'est pas seul. What ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? J'ai buté tous tes congénères. Oh ! Possible ça. What the ? Mais je les ai tous butés. Alors, c'est tout ? Prends ça. Comment se fait-il qu'il y en ait encore d'autres ? Elle se relève ? Une bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Eh hey, mais je suis pas allé là ! Oh ! Pousse-toi Nick. Je suis pas allé ici. Mais y'a rien. Clairement rien. Il y a un ballon de basket. Ok. Il y a un beau chapeau. Mais mis à part ça, il n'y a rien. Y a rien là-dedans. C'est bloqué. Bloqué ici. Je peux pas sauter là. Là, je peux sauter. Hop. L'ascenseur. Le passage. Et il y a ça. Donc, il me manque clairement une chier de choses. Parce que je ne peux pas passer ici. Là, c'est les fameuses chiottes. Avec aucun passage, soyons d'accord. Le passage ici, où je suis allé tout à l'heure. Mettons les choses au clair. Hein. Là, aucun passage. Là, un passage. On y a été, il n'y avait rien. Je crois. D'accord. Où est-ce que j'aurais pu chier ? Où est-ce que j'aurais pu ne pas le trouver ? Qu'est-ce que j'aurais pu ne pas aller voir ?
Terminal du SAS. Toujours pas. Ouvrir les portes du SAS. Verrouillage de confinement activé. Accès refusé. Donc pour moi, il faut clairement le mot de passe de l'autre du boss, en fait. Simplement, on va pas aller plus loin. Du boss. C'est pas toi, le boss. Pas de fouiller, normalement. Tu peux te décaler quand tu vas dans tes chiottes. Bon, apparemment, c'est pas dans les chiottes. Poussez-toi. Poussez-vous. Ok, donc on est passé par là. Ok. Donc lui, il avait rien, on est d'accord, non? Là. C'est pas Jacob. Je le reconnais pas. What? Ça m'aurait fait tellement chier que ce soit ça. Que ce soit planqué sous le truc. Là, il y a les bureaux. Potentiellement, ce serait là-dedans, je pense, moi. Allez, je revérifie chaque bureau. Il y a un réglé en dessous. Il y a l'ascenseur que j'ai pas test. Oh putain. Et la porte ne s'ouvre pas. Dommage. J'y ai cru. J'avoue, j'y ai cru. Je me suis attendu à voir. Vous savez, le mec qui est mort dans l'ascenseur, quoi. Merde. Salut. C'est pas là. Ah putain. Ah merde. Où est-ce que c'est censé être? Je sais pas moi. C'est pas toi Jacob? Non, c'est pas toi. La porte c'est inaccessible. Là, il n'y a rien, on est d'accord. Pas monter plus haut, non plus. Jouer extraterrestre, ça m'intéresse pas. Son bras m'intéresse pas. Déjà les miens. Plus ceux de Nick et ceux de Kanigou. Non, Kanigou n'a pas de bras. Donc, il aura pas de chocolat. C'était facile. Non, y'a rien non plus. Ah, c'est bizarre. Gah, y'a rien au sol. Ah, c'est fichu. C'est fichu. Ouh là là. Là, c'est littéralement un cul-de-sac. Clé anglaise, tu parles, j'en ai à foutre de la clé anglaise. Ours en peluche, dégage. Bloc-note, dégage. Non. Hop. Capsule, cartouche. Plus. Assiette blanche propre, bah écoute, tant mieux pour lui. Je peux pas. Bidon d'aluminium. Tant que c'est vous qui le portez. Tant que c'est vous qui le portez, ta gueule. Et en plus, il va clairement là où j'ai besoin d'aller, quoi. J'ai besoin d'un mot de passe. Ok. On va redescendre, on va bien voir. Hop. Est-ce qu'on aurait raté quelque chose ici? C'est possible, hein. Coucher d'écureuil. Vous voyez déjà ça, on l'avait raté. Microscope, ça sert à rien de le prendre.
Feeling cabinet, feeling cabinet non plus. Bocal de chimie, alors sauf si c'est le dossier qui est en dessous. Non plus. Merde, Crudy. Bon, bah je redescends. On a loupé quelque chose dans l'entrée. Non. Il y aura un mot de passe ici. Non, des fois il y a des coffres. Non plus. Non plus. Est-ce que ça aurait dû être ici? Je sais pas. Je peux pas aller voir le bureau. Alors c'est peut-être que c'est une holobande que j'ai pas prise. Charger l'holobande. Bah non. Ouais, je peux pas fouiller. Je peux pas fouiller le bureau. Ça c'est bizarre. Non, je sais pas. Là je vois pas. Franchement, là, je trouve ça un peu... pute. Chewing gum, je vais les prendre, parce que bon... Je vais avoir mauvaise haleine. Non, non, là, je... Soit c'est une quête... Et au moins, j'aurais nettoyé la zone avant que ça aurait repop. Bon, là-dedans... Ouais, je sais pas. Là, franchement, je n'ai aucune idée de où est-ce que j'ai raté. Ouais. Bon. Bon, bah écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Et bah écoutez, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dont vous pouvez trouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, donc à... commenter et à me donner des conseils, des astuces. Ne spoilez pas, hein, bien sûr, comme d'habitude. Encore une fois, bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, et à plus, donc à demain pour un nouvel épisode de Fallout. Salut les gens!